Mon ex, je suis venu te dire que j'ai eu mon visa pour les États-Unis. Voici. Tu vas regretter notre rupture. Je m'en vais aux États-Unis. C'est pour draguer les Beyoncé, les Nicki Minaj, les Rihanna. Oh, je ne fais plus rien, toi. Hein. Oh, tu peux même pas arriver à ma cheville. C'est elle ma catégorie. Mais s'il te plaît, dis-moi comment tu as eu ton visa. Voilà. Attends, tu rêves ou quoi? Moi, je te dis comment moi j'ai fait pour avoir le visa. Et puis tu vas le faire aussi. Jamais de la vie. Si toi tu as vu avion dans ta ville, c'est que c'est un jeu vidéo. On verra bien comment toi aussi tu vas pouvoir voyager. Quand je vais arriver là-bas, là, je vais faire appel vidéo et puis on va poser. Sinon, pour l'instant, goodbye. See you tomorrow. Oh, pays. Ça peut pas se passer comme ça. Nous tous, on va voyager. Oui, allô? Oui, bonjour l'aperçu. S'il te plaît, dis-moi si tu sais comment Chuchu a fait pour obtenir son visa. Le visa des États-Unis d'Amérique? Mais bien sûr, c'est grâce à l'expertise de la loterie visa de Sonoro International qu'il a eu son visa. Sonoro International? Voilà, c'est ça. Loterie visa, tout ça, c'est quoi? Bon, ça tombe bien. Je partais même à Sonoro International pour la loterie visa. Parce que moi aussi, je vais tenter ma chance. D'accord, c'est où? Ils sont situés sur l'avenue Kwame Nkrumah, en face de Lisa Market, qui est à côté du bâtiment de l'Union Européenne. Ok, ok, j'arrive tout de suite. M'en va où? Je t'attends. Et je suis à côté, hein. Voilà. Et l'assistance, ça coûte que 3000 francs. 3000 francs seulement? Ben oui. Pour participer à la loterie du visa américain? Ben oui. C'est moins cher. C'est moins cher. Moi, je vais payer avec toi. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais payer. Ok. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Aujourd'hui, c'est mon voyage. On verra bien. Aux États-Unis, je dois aller à l'aéroport ce soir pour prendre mon vol. Regardez ce qui va se passer ici. Yeah! C'était ici. C'est quoi ça? Mais c'est où? Hein? Maman Angaï! Visa pour l'enfer. Visa! Comment visa des États-Unis devient visa pour l'enfer? Mon gars. Grand féticheur, l'heure est grave. Mon ex s'en va aux États-Unis pour me laisser ici. C'est pas possible. Moi, je ne veux même pas qu'il bouge. Il peut pas prendre l'avion avant moi. Non, 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 non. Je veux que tu fasses quelque chose. Ok. Mais ça, c'est un petit problème avec le grand Ibdou comme moi. Professeur! Waouh! Ça, c'est bien ça. Mais dans quel pays veux-tu que je l'amène? Envoie-le où tu veux, mais pas aux États-Unis. Je veux que là où il va partir, là, je veux qu'il souffre. Yeah! Il n'a pas bien souffri comme il m'a fait souffrir dans ma vie. Yeah! C'est bon, c'est déjà fait. Tu peux être tranquille. Merci beaucoup, maître. Sans vous, qu'est-ce que j'allais devenir? Jesus! Le monde est méchant. Voilà.